Nous sommes l'opérateur de compétences du transport et de service de l'automobile. Je vais vous poser un certain nombre de questions quiz qui vous permettraient de savoir si vous connaissez un peu ce secteur. D'accord ? À l'issue du quiz, celle qui aura la mieux répondu et qui aura le plus de points pourra bénéficier des goodies que j'ai. Ça vous va ? Vous êtes prête ? En transport fluvial, qu'appelle-t-on le timonier ? A. La personne qui travaille en cuisine. B. La personne qui s'occupe de la direction de navire. Ou C. La personne qui travaille en salle de machine. La B. La réponse B. Donc vous êtes toutes les trois à avoir bien répondu. Donc on dit 3 points pour chacune. Qu'est-ce qu'un bolard dans le secteur fluvial? A. Une barque transporteur de matière liquide. Une sorte de poteau sur lequel on amarre les bateaux. Ou c'est le nom qu'on donne à la casquette du capitaine. Des salariés. La dernière, avec une formation. La dernière, la C. La C. Alors nous, ce qu'on va financer, non. C'est la formation qui permet d'accéder à ces métiers-là. Connaissez-vous la différence entre un bateau et un avion? Dans notre secteur, c'est A. Il s'agit de la même chose. B. Un navire est une embarcation qui navire en mer et un bateau en eau interne, fleuve, rivière, lac. Un navire transporte des marchandises et le bateau des passagers. C'est. Est-ce que tu es intéressé par ça? Non. C'est la B. Oh, j'ai pensé au B. Mais non, parce qu'il y a une différence entre un navire et entre un bateau. Mais oui, le navire c'est les marchandises et le bateau c'est la C. Non, le navire, il navigue en mer. Et le bateau en eau, douce. D'accord. Ça c'est mon métier. Vous participez. Je ne savais pas que vous étiez dans la participation. Vous êtes intégré, mais vous êtes la bienvenue. Donc ça fait un point pour là, tu as les renseignements relatifs. Et un point pour toutes les trois. Ok. Donc un partout. Des témoignages. D'accord. Je change de question. Et puis tu as l'ensemble, par exemple, ici, sur le secteur de l'animation, comment tu peux évoluer dans le secteur de l'animation. Qu'appelle-t-on un cavalier dans un port? Différents types de formation. Dans un port. À ces métiers-là. Il n'y a pas ABCD. A. Un chariot. B. Un toboggan. C. Une personne montant à cheval. C'est de trouver la formation. La A. Comment c'est de l'employeur. C'est la B. Mais alors, qui dit A, qui dit B, qui dit C? Levez les mains pour A, la B et la C. A. La B. Et la C. Eh bien, c'est la A. Bonne question, bonne réponse. Alors, c'est madame, donc ça fait un point en plus, ça fait deux points. Quel est le rôle d'un agent portuaire? Quel est le rôle d'un agent portuaire chargé dans un plan d'eau? Un agent portuaire, ça vous parle ou pas? Non. A. Apporter des boissons aux plaisanciers. B. Nourrir des poissons du port. C. Entretenir des plans d'eau du port en veillant à la pollution. Pourquoi C, pourquoi A et pourquoi B? Poisson. Agent de port, il fait quoi? Quelle est la réponse? La A. Quel est le rôle d'un agent portuaire chargé d'un plan d'eau? Permet d'avoir un premier niveau de certificat qui permet de commencer à travailler. Alors, pourquoi la C, pourquoi la B, pourquoi la A? La C au hasard. Au hasard? Oui. Un agent portuaire. Qu'est-ce qu'un agent portuaire? La A, apporter des boissons aux plaisanciers. B, nourrir des poissons du port. Et c'est entretenir un plan d'eau de port en veillant à la pollution. C'est. Vous voyez, vous répondez comme ça. Non, eh ben non. C'est vrai, vous avez une bonne réponse. La C.
organisé là. Oui, c'est dit, c'est pour ça que j'ai dit le groupe à tout le monde. Les bonnes réponses. Oui, oui. Mais non, c'est pour le groupe. Le groupe a tous les points. Donc en fait, elle avait déjà 3 points et vous en avez 2. On a 2 et là, ils ont 1. Non, on a 2. Non, 2 points et 3. Ah, ok. D'accord. Ok. La dernière question pour vous départager. Vous êtes intéressé par le monde. Non, quand même. Alors, quel moyen de transport n'est pas concerné comme du transport urbain? Je reprends la question. Quel moyen de transport n'est pas considéré comme un transport urbain? Le métro, le tramway, l'autocar, le funiculaire. Funiculaire. Alors, je reprends la question. Quel est le moyen de transport qui n'est pas considéré comme un transport urbain? Déjà, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'un transport urbain? C'est quelque chose qui se déplace en ville. La réponse, est-ce que lequel qui ne fait pas partie des transports urbains? Le métro, le tramway, l'autocar ou le funiculaire? Le métro. Le dernier. Combien A? Qui est pour A? Le métro? Qui est pour le B? Qui est pour le C? Et qui est pour le D? Ah non, le D, je me suis trompée. Le D, vous êtes 3 D et A. Mais vous n'avez pas la bonne réponse. C'est fini. C'était quoi? L'autocar? Eh bien, c'était voilà. L'autocar. L'autocar, lui, va hors de la ville. L'autocar, c'est pas la voiture. Non. Un car bus. C'est un grand bus qui fait tout, les grandes lignes. C'était des voitures. Non. C'est fini. C'est la seule qui a gagné, celle qui a le plus de points, c'est elle. Ah ben oui. Mais c'est déjà pas mal. Non? Alors, je vais vous donner mon adresse mail. Un approche téléphone. Oh yes! Merci. Et tu vas m'envoyer ton CV. Tu vas me ça? On a trouvé le téléphone. Qui est-ce qui avait qui est en deuxième position? Denis va pas trouver qu'on a proposé. On a la formation responsable de petits moyens d'agriculture. On a celui, c'est tout dans le domaine. Elle est responsable dans le domaine. Après, oui, vous pouvez le faire.